Aujourd'hui les gars, je sors ma caméra pour vous tourner une magnifique nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon moment en visionnant cette vidéo. Moi, je pense que je vais kiffer cette journée parce que aujourd'hui les gars, ça fait exactement un an que je suis en couple avec ma petite copine Blandine. Et ouais, ça fait bizarre de se dire ça fait déjà un an, le temps, il passe extrêmement vite. Et comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je lui ai réservé une petite surprise pour les un an de relation. D'ailleurs, Blandine, si tu vois cette vidéo, je tiens à te remercier pour tout ce que tu m'as fait vivre durant cette dernière année. C'était clairement la plus belle année de toute ma vie et tout ça c'est en partie grâce à toi. Donc franchement merci. Je me tenais de faire cette vidéo publiquement à mes abonnés parce que en vrai il y a un an pile je vous avais tourné quand même pas mal de vlogs avec Blandine. Avant même qu'on soit en couple on avait fait des vidéos. D'ailleurs est-ce que ça vous tente que je tourne une vidéo avec Blandine où on réagit à nos premières vidéos? Oh ça pourrait être franchement plutôt sympathique. En tout cas là n'est pas le sujet aujourd'hui. Comme ça fait un an je lui ai réservé une petite surprise et on va faire ça tout au long de cette journée. J'espère en tout cas que tout va bien se passer. Je croise les doigts pour que ça se passe bien et pour qu'elle kiffe cette surprise les gars. Je suis quelqu'un qui adore vraiment offrir aux personnes. Et là ce que je vais lui offrir à Blandine aujourd'hui, mamma mia, j'ai hâte les gars. Mais en fait je pense que je peux vous le dire parce qu'en fait là pour le moment Blandine elle est en haut, elle est dans son setup, elle est en train de tourner une vidéo donc elle n'est pas au courant que je suis en train de tourner cette vidéo-ci. De toute façon vous avez vu dans le titre ce que j'allais lui offrir. Je vais lui offrir un petit chat parce que c'est vrai que Blandine elle a toujours rêvé d'avoir son petit chat. Savoir qu'elle avait déjà un chat il y a à peu près approximativement 2 ans mais il est mort écrasé malheureusement. Et elle me parle souvent qu'elle aimerait bien avoir un nouveau petit chat. Et je me dis mais c'est l'occasion idéale pour adopter un petit chat et lui offrir pour les 1 an de relation. Enfin j'imagine que c'est un bon cadeau je trouve. J'espère que sa réaction va pas être nulle honnêtement. Mais avant qu'on aille chercher ce petit chaton au refuge les gars, il y a quelque chose de très important à faire. Effectivement les gars je me dois bien sûr d'offrir des fleurs. Du coup regardez je suis dans un champ. Et cet endroit juste ici regardez c'est assez spécial. Et c'est plutôt sympathique je trouve. Dans la région où j'habite t'as plusieurs champs comme ceci où on peut cueillir nos fleurs. Dites moi en France si vous avez ce genre de choses. Je sais qu'en Suisse ça se fait en mode il n'y a pas de caissier, c'est vraiment tu vas couper tes fleurs toi même regardez tout le champ, il y a même des tournesols là bas au loin. Après tu additionnes ce que tu dois et il suffit juste de mettre ton argent à l'intérieur de la caisse juste ici. En vrai je trouve le concept vraiment génial et c'est ce que je vais faire là. Je vais essayer de construire moi même mon petit bouquet de fleurs pour aller ensuite l'offrir à Blandine. On a juste ici tous les tournesols, j'adore vraiment cette fleur, ça me fait penser au soleil et quand je pense au soleil les gars je pense à ma petite copine Blandine. Bon il faut que j'arrive à choisir la plus belle. Par contre là on voit qu'il y a des pourris là bas ça me tente pas trop. Moi je veux une bien ouverte. Mais écoutez les gars regardez celle là elle m'a l'air plutôt pas mal. Je vais la choisir celle-ci. À partir de ce moment là mon micro a coupé pour je ne sais quelle raison. Et du coup j'ai décidé de couper cette fleur. Et malheureusement pour moi en la faisant tomber j'ai fait tomber des pétales. Bon une fleur c'est bien mais en avoir plusieurs pour un bouquet c'est encore mieux. Donc là j'étais en train de chercher une fleur de couleur rouge parce que le rouge ça signifie l'amour. Et oh regardez ce que j'ai trouvé juste là. Ah non malheureusement elle a amoché celle-ci. J'en ai trouvé une belle juste ici. Heureusement pour moi let's go. Toi je te prends avec moi. Là ce que j'étais en train de dire c'est sûrement de mettre un pouce bleu en cette vidéo. Donc les gars mettez un pouce bleu. Ça fait 2 fleurs qui sont prêtes. Les gars regardez la fleur que j'ai trouvée juste ici. Elle est juste magnifique. Oh j'adore la couleur. Je suis sûr que Blandine va kiffer son bouquet de fleurs fait par mes soins. Mais avant toute chose on va payer et en plus de ça donner un pourboire. En vrai j'adore ce concept d'auto-achat. T'as pas besoin d'avoir de caissier. Tu es toi-même ton propre caissier. Franchement je kiffe. Allez hop. Là du coup je me dirige dans la voiture direction le refuge pour animaux. C'est parti les gars en direction du refuge. D'ailleurs je vous fais cette petite intermission les gars pour vous dire de liker cette vidéo. Les gars s'il vous plaît likez. Je veux un maximum de likes. En tout cas ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je sais pas si je vais pouvoir avoir le droit de filmer à l'intérieur du refuge. Je pense que je vais pas filmer à l'intérieur parce que j'imagine que j'ai pas le droit. De toute façon c'est pas très loin de chez moi du coup ça va le faire. Je vous retrouve juste après cette petite ellipse les gars. On se retrouve les gars, regardez juste ici. Mais avant que je vous montre je tenais à remercier du coup la SPA sans collier de Pérouet. Franchement c'est les boss, ils m'ont bien accueilli et tout. Et j'ai pu trouver et adopter notre futur chat les gars. En vrai je suis rentré, il y avait plein de petits chats, des petits chatons, des chats adultes et tout. Blandine je sais qu'elle voulait un petit chaton, un chat jeune. Et il y en a un qui m'a sauté direct dessus et tout. Et je me suis dit oh celui-là il veut se faire adopter. Et du coup il est juste là, regardez. Coucou. Oh là là c'est un petit chat noir, il est trop mignon. Mais là les gars il a peur parce qu'il est dans sa petite cage. Je pense qu'il a jamais été dans une cage comme ça. Et la voiture frère j'ai fait un petit trajet. Il n'arrête pas de crier depuis tout à l'heure. Hein petit, ça va ou quoi là? Il est vraiment trop mignon, là je vais rentrer chez moi. Je vais essayer de préparer la petite surprise. Vous allez voir encore mieux le petit chat. J'espère que ça va bien se passer avec les chiens parce qu'effectivement on a 2 chiens à la maison donc j'espère qu'il va bien s'entendre avec les chiens. Je dirais que c'est le seul point négatif. Mais en général nos chiens ils sont pas méchants. Donc ça devrait le faire.
Non, t'inquiète pas, on arrive bientôt à la maison, arrête de crier. Oh non, il me fait trop de la peine. Ok les gars, je suis rentré à la maison, je vais pas parler trop fort parce que Blandine est au deuxième étage. J'ai regardé ça, j'ai la petite cage juste ici et on va le libérer. J'espère qu'il va bien s'acclimatiser avec les chiens. Regardez, il y a déjà Johnny Johnson qui est juste ici, ça va ou quoi? En vrai, pour le moment, il a vu qu'il y avait un chat dans la cage juste là, mais il a pas aboyé, donc chill ma man, chill. Il est bien lui. Et l'autre chien, il est avec Blandine, donc j'ai un peu plus peur avec l'autre chien, mais ça va le faire, je croise les doigts. Attention Johnson, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton nouveau frère? Parce que oui, c'est un mâle. Oh là, j'espère que ça va bien se passer, les gars. On est... Attends, mais comment ça s'ouvre? Ah oui, comme ça. Magnifique. Bonjour, petit chat. Oh, les gars, regardez ça. Oh, ça va, Johnson? Tu aimes bien ton nouveau frère? Bienvenue chez toi, bienvenue dans ta nouvelle maison. Eh, hey, il va où, là? Il va où? What? Il est juste là, les gars. Regardez-moi ça. Oh, il est beau, le petit chat. Oh, viens ici. Oh, il a peur de moi. Non, mais va pas à l'étage. Qu'est-ce qu'il va faire à l'étage? Première fois qu'il est dans la maison et regardez, il se balade au calme. C'est vrai que c'est pas un chat qui a l'air peureux. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il m'a sauté directement dessus. Il jouait avec moi et tout. Et là, pour le moment, avec le chien, ça se passe bien. Ah, ben, c'est bien ce qui me semblait. Oh, ça va ou quoi? Eh ben, il découvre tranquillement la maison. Je vais le laisser faire. Moi, ce que je vais faire, les gars, je vais préparer le cadeau parce qu'il faut que quand Blandine va descendre des escaliers, j'ai envie de mettre le chat dans un immense carton emballé. Comme ça, elle va vraiment avoir la surprise jusqu'au bout. Regardez, les gars, j'ai trouvé juste ici un carton dans lequel je vais mettre le chat. Ne vous inquiétez pas, il va pas rester longtemps à l'intérieur. Et j'ai juste ici du papier cadeau. Je vais mettre ça sur le carton et j'espère que Blandine ne va pas descendre avant que j'ai fini. On se retrouve du coup dans mon setup. Regardez ça, j'ai fait la petite boîte juste ici. Je pense qu'à l'intérieur on a assez de place pour le petit chat. Où est-ce qu'il est parti, le petit chat là? Hé là, petit chat, reviens ici là, je sais pas ce qu'il fait. Vraiment, ça a l'air de bien se passer, ça fait 20 minutes qu'il est dans cette maison et il a l'air de kiffer. Salut toi, comment ça va? Et bien sûr les gars, on n'oublie pas le petit bouquet de fleurs fait maison. Par contre, bon, le tournesol a perdu quelques pétales, mais c'est pas grave. Je vais mettre le petit chat dans le carton et je vais appeler Blandine et on va voir sa réaction les gars. Oh, j'ai vraiment hâte. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. C'est très important, let's go. Les gars, il y a Blandine qui est dans son setup juste derrière cette porte. C'est parti, je stresse un peu, honnêtement parlant. Let's go. Blandine. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu filmes? Ça va ou pas? Je fais un vlog. C'est pourquoi? Non. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un an qu'on est en couple. Ouais. Quoi, t'as oublié? Non. Du coup, je t'ai réservé bien évidemment une petite surprise. C'est quoi la surprise? Si tu veux savoir c'est quoi la surprise, mets ça sur ton nez et tu vas pouvoir me suivre. J'ai combien de doigts là? 5. Mais comment tu fais pour savoir? Hé, hey, t'es sérieuse? Elle triche les gars, c'est pas possible. Allez, du coup, tiens-moi la main, tu vas pouvoir me suivre. Bébé, attends, je sais pas où sont les meubles. Ok, on est en face de mon setup. Tiens-moi. Blandine, ça fait un an. Un an qu'on est ensemble. Un an que je suis tombé amoureux de toi. Ouais. Tu peux ouvrir les yeux pour savoir quel est ton petit cadeau. Attention, ouvre les yeux. N'ose pas. Vas-y, ouvre les yeux. C'est quoi? Ben, c'est un bouquet de fleurs. Voilà le petit bouquet de fleurs que j'ai fait à la main. L'amour, c'est des vrais? C'est des vrais, oui. Oh, c'est trop beau, mon cœur. Merci beaucoup. Tu kiffes? Oh oui, c'est trop mignon. Un petit bisou. Les gars, c'est un truc de fou. Elle kiffe son cadeau. Mais attends, Blandine, c'est quoi ça? Il y a un autre cadeau. Pourquoi ça bouge? Ça bouge pas, qu'est-ce que tu racontes? Je peux l'ouvrir? Bah oui, c'est à toi, c'est ton cadeau. Fais attention que ça touche pas dessus. Oh, bébé. Blandine, c'est un tout petit chat. Il est trop mignon. T'es contente? Ah oui, mais t'as été chercher où? J'ai été chercher à la SPA. Et comme tu voulais un petit chaton, ben voilà. Oh, ah, il t'aime bien, on dirait là. Oui. Blandine, tu veux qu'on l'appelle comment? C'est quoi ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré? Preston. Ah ben, on va l'appeler Preston. Quoi, tu vas attends, tu vas appeler notre chat avec le nom de mon youtubeur préféré? T'es sérieuse? Oh, mon amour, il est trop fort. T'es contente, Blandine? Ah oui, merci mon cœur, je suis trop émue. Parce que tu vois, il y a quelques années, t'avais un petit chat qui s'appelait Poussy. Et je m'étais dit, oui, comme ça faisait longtemps que tu voulais un petit chaton. Et toi, tu voulais pas. Bah oui, bah non, j'ai décidé, on a adopté un petit chaton. Ça te fait plaisir? T'es contente? Oui, et les amis, vraiment, si vous pouvez adopter les animaux en SPA, c'est encore mieux parce que du coup, bah, ils n'ont pas de famille. Et les meilleurs animaux du monde, des petits chatons. Et quand j'ai été dans le refuge, il m'a directement sauté dessus. Et c'est comme ça que j'ai su lequel prendre. Il t'a choisi? Il m'a choisi. Du coup, ça te fait plaisir, il est beau. Il est trop beau, regarde-moi sa petite boue. Oh, il est trop mignon. D'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, mais s'il y en a parmi vous qui veulent faire des dons pour la SPA, il y a un lien dans la description pour l'association Sans Collier où j'ai été chercher le petit chaton. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don, parce que c'est vrai qu'ils justement ils s'occupent et ils vivent grâce aux dons. Donc sans les dons, bah il y aurait pas de petit chaton juste ici. Donc Preston, c'est ça hein, faut laisser. Ouais, maintenant c'est pas vraiment un chaton, à mon avis il doit avoir un an déjà. Ouais, il a un an, mais pour moi un an c'est un petit chaton. J'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait trop plaisir, bienvenue dans la famille
Christophe. Et du coup, Blandine, c'est quoi mon cadeau, moi? Ton cadeau, c'est un bisou. Un bisou. Les gars, let's go. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, juste là pour voir une autre vidéo. Blandine. Ciao. Tchuss.